On a le privilège d'accueillir une des demi-finalistes du concours musical international de Montréal. Elle est, je crois, pour l'instant un peu nerveuse, mais pas à cause de la rencontre cet après-midi, mais parce que ça sent bien fort. Pauline, bonjour. Pauline Van de Rest, vous êtes belge. C'est cela, je suis née à Bruxelles et j'ai vécu en Belgique toute ma vie. Et puis, tu as commencé le violon à quel âge, Pauline? À 6 ans, j'ai commencé sans a priori devenir violoniste. En fait, je suis la cadette d'une famille de 7 enfants et tous mes frères et sœurs pratiquaient un, deux ou trois instruments. Juste pour le plaisir. Et parmi cela, il y avait le violon, et c'est celui-là qui m'a attirée particulièrement. Donc j'ai commencé naïvement, disons. Et puis. Oui, et c'est devenu sérieux pour toi à peu près vers quel âge, là, tu t'es dit, c'est vraiment, je veux mettre tous les efforts pour devenir violoniste. Au bout de quelques mois, en fait, parce que donc j'étais initialement donc ce qu'on appelle à l'académie. Je ne sais pas si c'est la même chose au Canada, donc une école, disons amateur. Et la professeure là-bas est tombée enceinte. Elle a été remplacée par une professeure russe. Et puis ça a directement été d'un autre niveau. C'est passé des 20 minutes de travail par jour à plusieurs heures. Et donc c'est à ce moment-là que j'étais plutôt vers la filière pré-professionnelle. Donc, très rapidement, je me suis dirigée vers du sérieux avec le violon. Est-ce que tu as l'habitude des concours? Quand j'étais petite, j'en ai fait une horde, mais c'est pas du tout la même chose comme ressenti un concours quand on est petit et puis après 18 ans ou après 16 ans. Donc pour moi, ici, c'est comme si c'était mon premier concours. Parce que c'est une toute autre perception. Mais effectivement, quand j'étais petite, j'en ai fait pas mal. Et là, tu es arrivé il y a quelques jours, et C'est ça. puis tu as fait une première, un premier round, on dirait en bon québécois, la première étape, et tu parles-nous du programme que tu as fait dans cette première étape. J'ai interprété la Chaconne issue de la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach, qui est une œuvre que j'adore. C'est probablement mon œuvre préférée du répertoire violonistique. Ensuite, j'ai joué le Caprice numéro 11 de Niccolo Paganini. Et j'ai terminé par la Rhapsodie de Tzigane de Maurice Ravel. Et pour l'occasion, tu étais accompagné par Philippe Chioux, qui est un accompagnateur d'ici, de Montréal. Et puis là, hier soir, il y a eu le verdict. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous comment tu as vécu ça. Alors, j'étais très très surprise d'entendre mon nom, particulièrement donné que c'était par ordre alphabétique et j'avais cru déjà avoir compté 12 personnes avant moi. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, ben, je vais rentrer de bredouille. Et puis j'ai entendu mon nom et je me suis dit, bon, il faut peut-être retourner à l'école pour réapprendre à compter la prochaine fois. Mais c'était une belle surprise, mais je m'y attendais absolument pas. Parce que le niveau est absolument exceptionnel à ce concours. Donc, oui, j'étais sur un petit nuage. Le niveau est féroce pour la bleue. C'est certainement un des plus grands concours au monde. Et oui, puis l'organisation est au point. Et puis là, quand tu es arrivé, si on retourne un petit peu en arrière, quand tu es arrivé à Montréal, tu es arrivé à l'aéroport, quelqu'un est allé te chercher, comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu. C'est cela, mon hôte est venue me chercher. Elle avait sa petite pancarte avec mon nom parce que je ne l'avais jamais vue en photo. Et puis, on ne s'était jamais rencontrés ni en appel. Donc, c'était une belle surprise. Puis, elle m'a tout de suite accueillie. Je me sens vraiment comme chez moi dans ma famille d'accueil. C'est absolument exceptionnel que le concours propose cette option d'être en famille d'accueil. Ça permet une immersion déjà dans la culture québécoise
Et Parce que puis, souvent, vous êtes logé à l'hôtel quand vous faites des compétitions comme ça, des concours. À oui. Montréal, c'est tout à fait spécial d'être logé dans une famille qui, Unique. oui, avec trois chats. Trois Oui. chats avec toi en plus. Ils sont absolument adorables. Je n'ai jamais rencontré des chats si câlins, si amicaux. Mon chat n'est absolument pas comme ça. Et puis maintenant, la suite, qu'est-ce qui se passe pour toi là? Je vais jouer mon deuxième tour dimanche. Donc, c'est le récital. J'ai un programme que j'affectionne particulièrement. Ce qui est très chouette avec ce concours, c'est qu'on a presque carte blanche sur le répertoire, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des concours qui sont dirigés vers un compositeur en particulier ou oui, un style particulier ou un pays ou un violoniste. Et ici, c'est quasi que des œuvres au choix où même s'il y a une restriction, ça va être une restriction assez générale où il faut une pièce virtuose, une œuvre de Bach. Donc ça permet d'être de choisir des morceaux qui nous tiennent vraiment à cœur et avec lesquels on se sent vraiment à l'aise. Et ce qui donne une toute autre perception au concours, c'est on sent vraiment qu'on joue en concert presque. Donc Il y a comment dire, une perception que dans des concours de ce type, on privilégie la découverte d'une poésie, d'une âme, de quelqu'un qui est capable de donner des couleurs à l'interprétation, par exemple, d'un Bach. Oui, il y a une façon technique de le faire, peut-être impeccable, mais ça prend un petit peu plus. Et parle-moi de ce un petit peu plus que tu vas ajouter là. C'est mon but de pouvoir rendre la musique belle. C'est quelque chose de si magique, la musique, il n'y a aucun mot qui peut le décrire, donc seulement la beauté peut s'exprimer par la magie de chaque note qui doit être spéciale, qui doit être unique, qui doit être habitée, qui doit exprimer quelque chose. Et puis, mon but, c'est également de partager d'interpréter, donc de traduire la partition vers l'auditeur en essayant d'être au plus proche de ce que le compositeur voulait, ce qui n'est pas facile étant donné qu'on ne sait pas leur téléphoner avant d'interpréter, à part si on fait des œuvres modernes, mais pour tout ce qui est Bach, Beethoven, Isaïe, on doit deviner. C'est un réel travail d'archéologie presque. Pauline, parle-nous de ta demi-finale, ce que tu vas interpréter en demi-finale. Je vais interpréter la troisième sonate de Beethoven. Ensuite, je vais jouer l'œuvre imposée, donc l'inconnue bouleversante. Et puis la seconde sonate de Prokofiev. Et je vais terminer par la cinquième sonate d'Isaïe. Je vais rapporter un peu de mon pays. Au Canada. Et comment tu te prépares mentalement à jouer comme ça devant un juge et public dans un concours? Je pense pas qu'il y ait de préparation, c'est vraiment sur le moment parce que ces derniers mois, j'appréhendais tellement le moment où j'allais aller sur scène. Je me disais comment est-ce que je vais faire? Je ne me sens pas capable de faire cela. Je vais m'effondrer sur scène, je vais partir en courant de la scène. Et puis, à la dernière minute, je me suis rappelé qu'avant tout, il y avait un public dans la salle et qu'il fallait jouer pour eux également. Ils sont venus là pour profiter de la musique et non pour juger. Donc, c'est avant tout pour eux que j'ai joué et je me suis sentie extrêmement à l'aise sur la scène. J'ai profité à fond de l'expérience. Donc, c'est pas possible de s'y préparer, c'est à l'instant présent qu'on voit et qu'on est surpris, et c'est ça ce qui fait la Spontanéité, oui. spontanéité, pardon. Mais Le jet lag n'est toujours pas passé. est-ce que tu as un régime spécial? Est-ce que tu fais attention à tes heures de sommeil? Est-ce que tu as préparé là, à passer les étapes? Comme une athlète, quoi. Oui, il faut vraiment essayer de dormir un maximum. Ce qui est, c'est difficile si on vient d'un autre continent.
parce que ça prend un certain temps pour s'adapter. Mmh. Et puis, j'ai une certaine tradition que beaucoup d'autres musiciens ont, c'est-à-dire de manger des bananes le jour du concert ou du concours, parce qu'il y a du potassium et ça a des vertus anti-stress. Ben, c'est ce que les joueurs de tennis ou les joueuses de tennis font généralement quand ils font, bon, quand c'est le moment de la pause, ils vont déballer une banane et puis aller chercher un peu d'énergie. Dis-moi, ton rapport avec Montréal, est-ce que tu avais une idée du Québec, une idée de Montréal en particulier? J'avais entendu que les Québécois étaient des gens absolument sympathiques et jusqu'à présent, ça s'est avéré être vrai. Puis Montréal, j'avais entendu parler que c'était une ville très cosmopolitaine et puis je l'ai trouvé très hétéroclite également. Très intéressant. À chaque coin de rue, on se retrouve avec un tout autre style d'architecture. Jusqu'à présent, j'aime vraiment beaucoup la ville. J'ai pas encore eu beaucoup de chance de beaucoup l'occasion de visiter, mais j'ai hâte de pouvoir le faire. Et puis, après cette demi-finale, où les 12 candidats vont jouer, le jury va délibérer et ils vont choisir, explique-nous le fonctionnement de La suite des la choses. suite. Ils vont choisir 6 candidats pour la finale. La finale qui aura lieu donc avec l'orchestre symphonique de Montréal. Sous la Et direction de Raphaël Paillard. c'est cela. Et puis toi, tu vas jouer quel concerto si tu te rends jusqu'à la finale? Voyons, c'est sûr. Non. Le concerto de Sibelius. C'est mon concerto C'est une voilà, préféré. c'est une œuvre que J'aime tellement ce concerto. Écoute, et puis après, tu as déjà ta date de retour à la maison, de retour en Belgique, qui est prévue quand? le 5 mai, donc Ah. directement du concours. Ouais. Donc, tu vas avoir un petit peu de temps pour visiter après. Pas beaucoup, hein? Si c'est possible de prendre quelques heures à des moments, parce que c'est pas possible de s'enfermer constamment, sinon on devient fou et ça a un impact évidemment sur le jeu. Et quand tu vas rentrer chez toi à Bruxelles, est-ce que tu as quelque chose de prévu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attend là-bas? Je dois retourner à mon université en Allemagne directement. Je pense même pas que je vais savoir poser mes valises à la maison. Je vais rattraper les semaines de perdu de cours théoriques et Ce oui, fut totalement intéressant de te rencontrer, de t'entendre, d'être aussi ouverte et disponible pour parler de ce moment, avouons-le, difficile à passer, parce que vous avez un niveau de stress tellement. où, C'est tu le sens, les Olympiques. et voilà, C'est exactement. les Olympiques vraiment que vous vivez dans ces compétitions et nous sommes de tout cœur avec toi. Nous te souhaitons la meilleure des chances et Merci. puis une belle fin de séjour à Montréal. Merci beaucoup. Et Merci j'aime pour l'invitation. bien, et j'aime bien, tu as cette, tu as l'air très, très bien dans tout ça en même temps. Alors, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline van der Est. Merci. Bonne chance. Merci. Pardon?